Je pense que de toute façon, son déroulement nous sera probablement plus favorable que celui de Mormon. C'était un peu exceptionnel dans le chef de Mormon, qui n'avait pas remporté un seul match depuis le début, nous qui n'en avions pas perdu un seul. Et qu'est-ce que ça a donné? Ben, un match très spectaculaire. Bon, que retiendront, je ne vais pas dire exclusivement, mais majoritairement, les sympathisants de Mormon, évidemment, le vainqueur, là, a toujours raison. Le terrain, ben vous le verrez, c'est un terrain qui est en excellent état, sauf sur la pente qui longe la tribune principale.